Eh bien salut tout le monde, c'est Augustus pour une nouvelle vidéo dans le mode carrière. On va continuer la carrière avec le PSG. Je le fais le lendemain de la première vidéo, mais je la posterai je pense dans la semaine. Parce que en semaine j'ai beaucoup moins de temps de faire des vidéos, du coup je pense que je vais m'avancer et vous les sortir tout au long de la semaine. Le premier épisode vous a plu, hein, malgré qu'on fasse pas les matchs. Et Spikey HD a proposé quelques joueurs, genre Griezmann, Neymar, Pogba. On va voir si on peut recruter des gros joueurs comme ça. Du coup, voilà. Ouais, je bataille pas pour le tournoi là. Je pense que. Ah, ça fait plaisir, on a gagné la demi-finale. 3,5 millions. Je pense que pour cet épisode, on va recruter du lourd. Neymar, on va s'y intéresser. C'est vrai que ça peut être pas mal. Il est encore très jeune. Il est encore très jeune. Il aurait 23 ans. Si on arrive à acheter Neymar, ce serait vraiment exceptionnel. Pogba aussi. Pogba, je pense que si on arrive à l'avoir. Ça serait une recrue de folie. 22 ans. Ça sert à rien d'acheter des joueurs de 19 ans qui peuvent monter au bout de 5 ans à je sais pas quelle note. Autant prendre des joueurs de 22-23 ans super forts. Parce que tu vas pas faire 10 saisons en mode carrière quand même. Ça a rien. Enfin, quand t'as le budget du PSG, tu peux. Après, c'est sûr, si t'as un petit club, tu peux prendre des petits joueurs. Alors. C'est quoi le truc? J'ai appris qu'un club avait accepté. Ah ouais, pour Mbanyang. Ah ouais. 97 millions pour Pogba. On va proposer 94 millions, comme ça on peut économiser un petit peu. Ah ouais, ça pique. Hein. Ça pique. C'est des transferts réalistes hein, maintenant dans FIFA, de toute façon. Proposition pour Sirigu. 22 millions pour Sirigu. Vas-y, je propose 25 millions. C'est vraiment des pigeons, le mec il a 28 ans. 82 de général et on peut le vendre 25 millions, ça serait une très belle vente. Neymar, on va proposer 100 millions, je pense qu'ils vont refuser. Mais 90 de général Neymar. Oh ouais. 90, ils vont refuser. C'est sûr. Fin des négociations, ouais. Bon, c'est pas grave, Mbanyang, on va s'en passer. Je pense que du coup on va recruter un buteur mais pas très cher. Ça serait bien de gagner là. Ah, on perd 1-0. Vanderbilt qui prend un rouge pour le suspect, ça je vais pas appuyer. J'espère qu'on va égaliser là. Ouais, là pour le tournoi j'ai pas cherché à batailler, j'ai mis au hasard. Allez, égaliser s'il vous plaît, égaliser. Fellaini qui sort à la place de Depay. Oh yes, Stambouli. Allez, peut-être les prolongations. Oh, on gagne au tir au but. Ah, ça fait plaisir. On a gagné ce tournoi d'avant-saison. Et on remporte un succès, hein, c'est pas mal. On va vite fait améliorer quelques joueurs. Stambouli, du coup, peut le garder hein, si. S'il nous a fait gagner. Marquinhos, je pense qu'on va le faire progresser. Tac. Ça, c'est vraiment pas mal comme système qu'ils ont mis cette année. Par contre, Rayman, je le connaissais même pas. Je sais pas ce qu'il fout là, Rayman. Kevin Rayman, je connais même pas ce joueur. Vanderbilt. Putain, Vanderbilt, j'ai toujours cru qu'il avait 20 ans et tout. Mais au final, il est quand même assez âgé. Hein. Enfin, âgé, pas vraiment, mais bon. Marco Verratti, lui, je le vendrai jamais. Je le vendrai jamais, Marco Verratti. J'espère qu'on va vendre Sirigu. Proposition de transfert pour Javier Pastore. Pastore, 26 ans. On va proposer 40, 42 millions, enfin 41. Pastore, il est bon. Mais bon, 41 millions, ça se.
What the fuck, 160? Il est bon, mais bon, pour 40 millions, je le lâche. La Juventus qui accepte pour Paul Pogba. Je pense qu'il va refuser le salaire, on va essayer quand même. Ça serait plutôt pas mal. Tac. Pour Sirigu, est-ce qu'ils vont le prendre du coup Everton? Everton 24 millions. Ouais, je vais pas batailler, je vais le vendre. Je vais le vendre. 24 millions 500 000 pour Sirigu, c'est vraiment abusé. En plus, il nous restera Duchesne et Kevin Trapp. Paul Pogba. Et voilà une recrue à 94 millions d'euros. Paul Pogba. C'est vraiment du lourd, du très très lourd. Ah bah là, c'est vraiment une recrue. Avec lui, ça va faire mal. Bah tu m'étonnes. Ah bah Arsenal qui s'aligne à 41 millions, bah on va pouvoir recruter. Ouais, faut pas abuser quand même. 165 millions, mais comment tu peux avoir des sommes comme ça en carrière, quoi? C'est abusé. On va voir pour Griezmann aussi. Griezmann, 24 ans. Ouais, c'est comment il commence à vieillir, hein, le Griezmann. Ouais, en tout cas, Paul Pogba. Ça fait plaisir, une aussi grosse recrue. Oh, c'est abusé les prix, sérieux. C'est vraiment de l'abus dans ce jeu. On va juste voir le petit Paulo Pogba. Oh là 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 là, Pogba, tu mets Pogba Verratti. On va regarder. Il faudrait un petit milieu offensif là. Ouais, peut-être Pogba en MOC. Après, ah ouais, ben, je pense que je vais faire ça en fait. Je vais mettre Pogba MOC, Verratti Matuidi. Je mettrai Di Maria attaquant droit. Pastore, bon, il va être vendu. Manque un attaquant gauche, peut-être Entep. Hein. Entep, il peut être intéressant en attaquant gauche. On va voir ça. Ça fait plaisir, Paul Pogba. Bah, ça a ruiné un petit peu, mais bon. On va voir ça. Entep, je sais pas s'il peut bien monter. Entep, 22 ans. Est-ce qu'il a. Non, il a pas fort potentiel, un truc comme ça. Ouais, en tout cas, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. On va continuer. On va. Tac, on va entraîner encore les mêmes. Oh, bah, Pogba, il va bientôt monter à 87 en plus. Oh, je le vendrai jamais, lui. Je sais même pas si des gens. Si des clubs ont assez déjà pour le prendre plus cher que je l'ai acheté. Putain, Pogba, ouais, alors la Juve, ils vont recruter. Voilà les joueurs, alors, hein, si je leur ai acheté Pogba. Kimpembe, ouais, je sais pas s'il peut monter bien. Putain, Lucas, il est encore jeune, hein, c'est vrai. Mec, il a la calvitie, mais il est jeune. Hein. Hop là, Kimpembe qui monte à 61 de général. C'est pas un truc de fou, mais bon. S'il monte rapidement, ça peut être intéressant. Entep. Alors, Entep, 23 millions. 23 millions, ouais, ça se prend. Ça se prend. Comme ça, on aura notre attaquant en gauche. Offre de transfert. Verratti. Intransférable. Intransférable. Verratti, Marquinhos, pareil. Leicester, hein, ils se sentent plus. Attention, ils sont en confiance, ils veulent prendre Marquinhos. Là, on va avoir une sale équipe. Hein. LOSC objectif Europa League. Ah ben, c'est pas comme en vrai. On va proposer 90 000 de salaire, titulaire indiscutable. Peut-être qu'il va refuser, il va dire ah non, je le sens pas. Et voilà, on a vendu Javier Pastore. Ça pique. Un petit peu. Et on va commencer par peut-être le premier titre de la saison. Enfin, le trophée d'avant-saison. Bon, c'est pas vraiment un titre, on va dire. Alors, à gauche. Tac. Je vais mettre Di Maria là.
Lucas, attaquant gauche. Aurier, titulaire. Ouais, Thiago Silva, David Luiz. Non, je vais mettre Marquinhos en fait titulaire. Kurzawa. Oh, merci. Tac, voilà, nickel. Et voilà, c'est bon comme ça. David Luiz, si j'ai une offre, franchement, je le vendrai. Comme ça, je peux prendre un bon défenseur, genre Aymeric Laporte. On va simuler la finale. Si on perd contre Lyon, ça ferait mal. La Lacazette qui prend un jaune dès le début. Dites-moi si vous voulez que je skip ou si je laisse. Je pense que je vais laisser les matchs importants et je vais zapper vite fait les petits matchs. Ouh là, c'est chaud là. But de Zlatan, but de Lucas. J'ai bien fait de passer Lucas en attaquant gauche. 3-1, voilà. Doublé de Zlatan. Et voilà, premier titre de la saison, le trophée des champions. Victoire nette et cash 3-1. Je pense qu'il faut recruter quand même un buteur, puisque Cavani est blessé. Ou ce que je vais faire aussi, je peux mettre un centre de formation. Peut-être qu'on peut trouver des petites pépites. Ça va vous permettre de voir si c'est intéressant d'en prendre des centres de formation. On va voir ça. David Luiz, franchement, je vais pas le mettre à vendre, mais s'il y a une offre intéressante, je le vendrai. Niveau gardien, Duchesne, je pense que ça sera sa dernière saison. Défenseur gauche, Maxwell, pareil, je pense soit je vais le vendre là, soit à la fin de la saison. Thiago Motta aussi, je pense qu'il y en a plein, ils vont partir à la fin de la saison. Même maintenant, là. Je vois. Après, ouais, si je vends Thiago Motta et tout, je sais pas qui est recruté à la place. Voilà, nickel. Paris, un nouveau héros. Pourquoi il monte Kurzawa alors qu'il n'y a même pas marqué? Adrien Rabiot. Je sais pas si c'est un fort potentiel, Rabiot. Rabiot, je sais pas, plus de 20 millions au moins pour le moins. Après, il a 20 ans, 77 de général. Il y a moyen qu'il monte beaucoup plus que ça, quoi. On va voir. J'ai bien envie de mettre un centre de formation en fait. Engager recruteur. Ah ouais, lui c'est pas mal. On a pas mal. Ah ouais, tac. On va prendre ça là. On va prendre déjà deux centres de recrutement. Non, en fait 3. On va faire le fou, on va en prendre 3. Alors c'est quoi le mieux? Expérience ou jugement? Je vais prendre celui-là. Et on va avancer un petit peu. Tac. Après j'ai envie de faire revenir Areola aussi. Oh yes, on recrute Ntep. On a notre attaque en gauche. Putain, on a dépensé plus de 120 millions déjà en seulement 2 joueurs. Voilà, ça fait plaisir. On a Ntep. Comme ça on pourra dégager peut-être Uganda, non, je sais pas. Il a 69 de général, c'est pas très intéressant. Lui il a quel âge? 18 ans, ouais, je vais le garder lui. Oh, lui il a 16 ans donc ça peut se garder. Stambouli, il vient d'arriver, je pense pas qu'on puisse le vendre. Traoré, 23 ans. Lui je sais pas ce qu'il fait au PSG, je vais le vendre. Je vais me débarrasser de Traoré. Je vais le vendre au premier club venu, j'ai pas le choix. Alors, c'est qui lui? Prêté Peck Zwolle, ok. Lucas Digne. Ah ouais, on peut faire revenir Lucas Digne. Si je vends Maxwell, je fais revenir Lucas Digne. Paebeck aussi est prêté. Il a quel âge? 22 ans, ouais, ça se garde. Ah ouais, il y a pas mal de joueurs prêtés en fait. Ikoko. Bon, on va faire revenir Areola.
Voilà, on va faire revenir Arevalo. Comme ça, on aura trois gardiens. Maxwell, je vais le vendre. Je vais le vendre, Maxwell. J'ai pris ma décision. Et si on le vend, Maxwell, ben, on fait revenir Lucadi. Voilà. Tac. Proposition de transfert pour Adrien Rabiot. 14, ouais, mais c'est pas beaucoup, hein. Non, je vais pas le vendre à Lille à ce prix-là, en plus. Non, je vais le garder, Adrien Rabiot. Je vais le garder. Encore, ça serait des offres pour Stambouli, je veux bien, mais bon. Retour de prêt, ok. Allez, c'est parti. On va commencer la Ligue 1 contre Lille à l'extérieur. Premier match de Ntep. Et déjà jaune pour Balmont. On va simuler le match. Victoire 2-1, doublé de Di Maria, ça fait plaisir. J'aurais pu le laisser parce que c'est quand même un gros match. Mais bon. Tac, on va juste entraîner vite fait les joueurs. Après, peut-être je peux refaire venir Baybeck, hein, mais bon. Je pense que ça serait intéressant d'avoir des joueurs soit en recrue, des recrues, soit peut-être du centre de formation. Baybeck, je crois que c'est pas un joueur que j'adore non plus, quoi. Je pense pas qu'il puisse monter très haut en général, en plus. Marquinhos. Tac. Défense. Ouais, niveau passe, allez. Peut-être qu'en relance, il peut être pas mal. Allez, c'est parti. Oh, bien. Bien, bien, bien. Allez, allez. Oh, bah, ça va, le Gazélec d'Ajaccio. On va voir aussi les recrutements. Oh, bah, Maxwell, je vais le vendre à Southampton. Tac, voilà, ça c'est fait. Et comme ça, bah, je fais revenir à Lucas Digne. Dites-moi si c'est un bon choix de faire ça, mais bon, je pense que c'est pas mal. Comme ça, tac, Lucas Digne revient. Après, je connais pas les autres joueurs. Yena, je savais même pas qu'ils existaient, en fait. Tac, voilà. On va aller voir le centre de formation. On va en mettre un au Brésil. Donc il y a pas mal de Brésiliens, un en France. Attaquant. Il faut des attaquants français, ça serait pas mal. Proche à chaque fois. Genre, je mets Brésilien, je mets doué techniquement. Je me dis peut-être ça peut choper des joueurs 5 étoiles plus facilement comme ça. Brésil. Et après, on va mettre Corée du Sud. Corée du Sud, ça peut être assez original de trouver des pépites coréennes. Tac, on va faire encore quelques petits matchs. Allez, Gazélec. 5-0-4, but de Zlatan. Et un but d'Entep, ah ouais, énervé. Bon, ben, que des victoires. C'est vraiment abusé, on est déjà premier. Différence de but de 6, quoi. Je crois que la Ligue 1, ça va être comme en vrai. On va la dominer, mais de la tête et des épaules. Tac, Entep. Entep qui commence bien quand même. Il a déjà marqué. Tac. Arrière latéraux. Lucadine, ouais. Je sais pas. Ah, Maxwell, ouais, il est toujours, mais. Areola, il va monter en général bientôt. Tac, c'est pas mal. Il a déjà plus que les autres gardiens, quoi. Allez. Ah, Nkunku. 63. Ça monte, ça monte. Tac. Prochain match contre Montpellier. J'espère qu'ils vont pas faire 0-0. Joueur vendu, ça, ouais, c'est Maxwell. C'est Maxwell, il nous reste combien? Il nous reste. Oh, bah, on va
va dire 50 millions. 50 millions, je sais pas. Hein. Je sais. Aymeric Laporte. Je pense que Aymeric Laporte, ça peut être un bon choix. 21 ans. Putain, Julien Laporte, je sais pas si c'est son frère. Je verrais bien un petit échange Aymeric Laporte David Luiz. Ça peut être intéressant pour les deux clubs. Ils ont autant de général. En plus, j'aurais presque rien à payer, je pense. Voilà, ça ferait un mercato de folie, quoi. Entre Pogba et Deb, si on arrive à voir Aymeric Laporte. En plus, c'est même pas voulu que ça soit que des Français. Ah, Entep, il marque, il se blesse. Aïe aïe aïe, coup dur, mais encore une victoire, hein. On est premier, ça va être assez easy le championnat, le plus dur ça va être... Oh, 48 millions. Le plus dur ça va être la Ligue des Champions de toute façon. 19 millions plus David Luiz quoi. On va dire 17 millions. Ouais, parce qu'ils vont quand même cher. Là ils ont autant de général et le mec il est jeune alors... C'est un petit peu normal. J'espère que Entep il est pas trop blessé, c'est ça le qui m'inquiète un petit peu. Areola, il va bientôt monter à 79 de général. Tac, il relance et tout. Après je pense que je vais continuer la carrière avec Sochaux, mais de cette manière là. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire les joueurs que vous voulez que j'achète pour le peut-être pour le prochain mercato ou dans l'avenir les joueurs que vous voulez voir dans cette équipe. Neymar bah, vous avez vu 160 millions, je vais pas le recruter. Et bah, j'ai préféré prendre Pogba. Oh, ah, comment il a monté à fond là. Ah mais d'accord, je l'ai amélioré en courant. Ah j'ai même pas fait exprès. Précision coup franc, ouais, pourquoi je l'ai amélioré. Tac, je pense qu'on va finir le mercato à cet épisode là. Tac. Ouais, je vais proposer 180 millions. Enfin 180 000 en salaire. Sinon j'aurais pas dépensé beaucoup. Si juste j'aurais pu David Luiz. Voilà, Aymeric Laporte. Très grosse recrue encore. Il reste 35 millions. 35 millions. Il me reste qui dans l'équipe en fait. Entep, ce serait bien un attaquant gauche, ouais. Un attaquant gauche parce que j'ai. Après j'ai Lucas que je peux mettre dans les deux côtés. J'aime bien mettre Lucas à gauche. Thiago Silva, je pense que ça sera sa dernière saison, il a 30 ans. Et voilà, c'est où. Ça fait un peu chier de s'en débarrasser, mais bon, je pense que je vais le garder encore une saison. Entep. Entep, on va mettre Lucas. Gardien titulaire, on va mettre à Areola. Areola. Trap, je pense que la saison prochaine, je le vendrai. J'ai envie que ça soit Areola, mon gardien titulaire. Zlatan, pareil, ça sera sa dernière saison. La saison prochaine, je pense que je recruterai un gros attaquant, je sais pas, genre Agüero, enfin peut-être pas Agüero parce qu'il commence à se faire un petit peu vieux peut-être. Il a quel âge? Il a quel âge Agüero? Serge, 27 ans, ouais non. Je préfère prendre un de 22-23 ans. Armstrong. Ah, il est prêté. Ah, regardez, il peut avoir 99 de vitesse, 97 d'accélération. Ah, il est... Je vais le surveiller, lui. Il est prêté, mais bon. Bertrand Traoré. Il est doté d'un énorme potentiel, là. Ça peut être intéressant, ça. Wilson, 23 ans. Le stat cheaté aussi. Marcus Rashford. Ah, lui, ça serait énorme. C'est la pépite. Je sais pas si vous avez vu, il a... Le mec il a déjà mis 3-4 buts avec United en 2 matchs. Je crois ouais, il a mis un doublé il me semble en Europa League et enfin, deux doublés je crois, je sais plus mais. C'est genre s'il continue comme ça peut être un monstre. Et on va peut-être le recruter, ça serait pas mal.
8 millions. Ouais, faudrait un bon petit buteur quand même. Un bon petit buteur au cas où Cavani se blesse. Faut quand même avoir 3 buteurs. Rashford. C'est tout ou il coûte que ça? Il coûte pas cher. Est-ce qu'on peut échanger lui? Je vais leur donner Riemann. J'en veux pas de Riemann. Ouais, il est prêté. Bon, ben, on va prendre Bertrand Traoré. Pour faire tourner, ça peut être pas mal. 8 millions. S'il monte bien en général, je pourrais peut-être le vendre 20 millions. Hein. Ça peut être un investissement aussi. Ah, ils ont accepté. Ils ont accepté. 4 millions. On va mettre titulaire occasionnel. 17 ans. Marcus Rashford. Tac, voilà. Un buteur. Ça fait plaisir. Même on va avoir deux buteurs. Tac. Voilà. Rashford. La vidéo risque d'être un petit peu longue, mais bon, voilà, c'est la fin du mercato. Après, ça sera beaucoup plus rapide. Tac. Allez, allez. On va jouer contre Monaco. 2-0, but de Pogba et de Lucas. Vous voyez, à gauche, il est cheaté, hein, Lucas. Bon, les dernières heures du mercato. Je vais voir. Il reste pas beaucoup de budget, je vais le garder pour mercato d'hiver. On va voir un attaquant gauche en prêt pour dépanner, ça serait bien. Oh, bien sûr. Voilà. On va voir à vendre ce qu'il y a. En attaquant gauche, il n'y a personne. Ok. Il n'y a aucun attaquant gauche à vendre. À prêter peut-être. Voilà, à prêter. Je connais pas ces noms-là. En plus ils sont tous dans le rouge. Sandro. Oh là là. Je connais pas les joueurs qu'il y a là en fait. C'est ça qui m'inquiète. Justin Mathieu. Ok. C'est qui ces types? Ah ouais d'accord. Voilà, ça va être la fin du mercato. Bordeaux, ils ont recruté personne. Attends, on va voir le récapitulatif. 144 millions d'arrivées et 69 millions de départs. C'est amusé. Ah, une offre. Edison Cavani. Vas-y, on va faire le fou. On va proposer 80 millions. T'imagines, il s'aligne. Ah, ça serait énorme. Ça serait vraiment énorme. 54 millions. Alors, on va proposer 60 millions, s'il vous plaît. Ils se sont alignés. Oh là là. Si on a vendu Cavani à 60 millions. Bon, mais le prochain mercato, il va faire mal. Proposer déjà des noms de recrues pour le prochain mercato. Je pense qu'il va faire très très mal. On va faire un point sur les recrues. Et on va s'arrêter là pour l'épisode. Alors, normalement, Ntep à gauche. Rashford, on va voir sa carte. Ah, dommage, il a que 3 étoiles mauvais pieds, 2 étoiles geste technique. Il est pas très intéressant en fait au début. Il a 17 ans. Alors, on a vendu Maxwell pour récupérer Lucatine.
Thiago Motta, je l'ai gardé. On a vendu Cavani à prix d'or. Mais ça va, on a Traoré qui peut être pas mal en remplaçant. Et voilà l'équipe. L'équipe qu'on a pour la première partie de saison. Entep, Ibra, Di Maria, Pogba, Verratti, Matuidi, Kurzawa, Laporte, Marquinhos, Aurier, Areola, Thiago Silva, Théo. Voilà, ça va être l'équipe type. Dites-moi ce que vous en pensez, et on se retrouve bientôt pour l'épisode 3 avec pas mal de matchs. Ça va aller très très vite cette carrière, on va faire pas mal de saisons. On va essayer d'avoir la meilleure équipe possible. Voilà, c'était Augustus, ciao tout le monde.